flammes sont dans leur jardin. Comme ils le peuvent, avec un simple tuyau d'arrosage ou un seau, ces habitants tentent de sauver leur maison. Eh bien, on essaye d'éteindre, voilà. On essaye d'éteindre, c'est malheureux parce que tout va brûler là, putain. C'est malheureux. Depuis 15 heures, un violent feu à Aigues-Vives progresse rapidement et a surpris les habitants qui voulaient rentrer chez eux. Circulez, s'il vous plaît. Sinon, faites demi-tour. C'est pas possible, il y a tout le monde, il y aura quelqu'un qui va venir l'aider. 170 pompiers sont à pied d'œuvre, appuyés par plusieurs canadairs et Dash, et luttent toujours pour arrêter la progression du feu. Un feu alimenté par un mistral de 50 km/h et une végétation extrêmement sèche. Tout proche de l'incendie, ce couple a juste eu le temps d'évacuer sa maison. On était en train de balayer autour de la piscine. Moi, je tournais le dos par rapport aux flammes. J'ai vu d'un coup mon épouse qui balançait le balai, qui a crié au feu. Je me suis retourné et là, j'ai vu les flammes à 30-40 mètres de nous, mais elles étaient déjà très hautes et ça allait très très vite. L'incendie serait parti non loin du haras, à quelques centaines de mètres de là. L'urgence est aussi à l'évacuation des chevaux. Le feu, très virulent, continue de menacer ce secteur très habité. La lutte contre l'incendie pourrait durer toute la nuit. Un triste spectacle au-dessus d'Aubay. Rien n'a pu arrêter les flammes. 350 hectares de garrigues ont brûlé en quelques heures. Au sol, mètre par mètre, pied à pied, les pompiers se battaient encore hier soir sur les lisières pour éteindre les derniers foyers et empêcher toute reprise. On défend les points sensibles et on traite les lisières. Donc là, après le passage des avions, on va traiter toutes les lisières et après on va aller défendre un point sensible là-bas, c'est-à-dire le centre équestre. Voilà. 500 hommes engagés au plus fort de l'incendie. La lutte a été terrible tout l'après-midi pour venir à bout du brasier, attisé par un vent fort et tournant. D'importants moyens aériens ont dû être mobilisés, Canadair, Dash, hélicoptère, et une nouvelle fois, les pompiers s'interrogent. On a eu des témoignages pour, a priori, un individu suspect qui se serait déplacé dans la zone de départ de feu au moment, justement, de ce départ. Une enquête est bien évidemment ouverte, comme c'est toujours le cas en ce type de circonstances, mais pour l'instant, on n'a aucune notion de confirmation d'un acte volontaire à ce stade.
We'll be right back.